t'as eu peur. T'as eu peur. Ah ouais, t'as eu peur. Comment t'as eu peur? Est-ce que tu connais la technique du spark? Le spark. Le spark. Eh, le spark. Le spark. Le spark. Le spark, c'est réaliser des photos de nuit entre la pose longue et le light painting. C'est une technique qui fait des étincelles. Tu vas voir, c'est super beau et créatif. Mais pas si vite, mon petit bonhomme. Il faudra te sécuriser et sécuriser l'endroit où tu le pratiques. Évite les endroits comme l'appartement de Mamie Ginette ou la grange pleine de foin de Papy Jackie. Et surtout, éloigne-toi des stations d'essence de ton village. Parce qu'il va y avoir de la combustion, mon petit bonhomme. Pour réaliser cette technique, il te faudra quelques petits ustensiles. Un trépied. Un extincteur. De la paille de fer. Un briquet. De la corde. Le fouet de Mamie Ginette. Ou alors, un ustensile que tu auras fabriqué toi-même. Avec des trous. Des lunettes pour te protéger les yeux. Ton appareil photo. Une ventouse. Un intervalomètre, mais pas forcément besoin. Et une tenue adéquate. Tu auras peut-être pas besoin de tout ceci, mais protège-toi un maximum. I am not in danger. J'insiste sur la sécurité. J'insiste très fortement sur la sécurité. La combustion de paille de fer forme de toutes petites boules de métal en fusion. Fais très attention à tes jolies petites fesses et ton matériel. Mets-toi à une distance raisonnable. Donc attention, petit chenapan, je ne veux pas en voir qui font ça n'importe où et encore moins à poil. Tu prends ta paille de fer que tu vas insérer dans ton réceptacle. Tu vas légèrement faire dépasser ta paille de fer afin de l'allumer. Tu prends ta corde et tu prends ton briquet et tu allumes. Et tu tournes. Et tu tournes. Et tu tournes. Et bien sûr, tu fais tout ceci à l'extérieur. Mets-toi à une distance raisonnable afin de ne pas cramer ton slip kangourou. Pour les réglages de ton appareil, tu peux te mettre en pause B ou en mode bulbe ou bien en mode manuel avec un temps de pause de 20 à 30 secondes pour une ouverture de F8 à F11. Mets-toi en grand angle avec une sensibilité de 100 à 400 ISO. Débraye ton autofocus et mets-toi en mise au point manuelle. À toi de faire des tests et trouver le bon réglage. On est dans les clous là. Est-ce que tu as compris? Mais oui, c'est clair. Nous allons donc attendre la nuit.
Est-ce que tu as compris le sens de cette petite vidéo? Mon œil! J'arrive tout droit du futur. Précisément en l'an de grâce 3525. Là-bas, de la photographie sous un autre genre, plus numérique. Un retour au papier et un style vestimentaire assez swag. Avec cet almanach, tu vas réussir tes plus belles photos en couleur. Qu'est-ce que c'est que ces salades? Tous des bananes. Qu'est-ce que c'est que ces salades? Tous des bananes. Tous des bananes. Qu'est-ce que c'est que ces salades? Tous des bananes. Tous des bananes.